Bon les gars, c'est parti, bienvenue sur le jeu Last Day on Earth. Alors aujourd'hui, on va aller sur une zone que je n'ai jamais vue en vidéo. Alors, dites-le moi, j'ai fait des recherches, mais personne, j'ai pas vu un seul YouTuber qui faisait cette zone-là. Voilà. La chaînerie dans les marais. Donc, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette zone? Donc, gros point d'interrogation, je me dis, mais finalement, est-ce que ça serait pas une zone qui serait sympa? Est-ce qu'on va trouver du chêne? Est-ce qu'on va trouver finalement des minerais un peu originaux? Alors, j'ai pris pas mal de choses, hein. J'ai pris quand même pioche en fer, j'ai pris un masque à gaz, je veux dire. J'ai du mal avec le gaz. J'ai pris une pelle. Bon, bref, on va aller voir ensemble ce qui se cache dans cette chaînerie. Au pire, je vais aller me faire un petit peu de bois de chêne. Voilà, et puis allez savoir, peut-être que finalement cette zone elle est pas si mal que ça. Bon, bref, j'ai pris mon petit toutou avec moi, mais je suis très très intrigué puisque je n'ai jamais vu personne faire cette zone. Alors on y va, écoutez, ça a l'air quand même très très désert. Bon là pour l'instant ça commence gentiment. Bon, effectivement, j'ai vraiment l'impression que c'est une zone de chaîne toute simple, mais on va voir. Bon, on va faire notre petit minage. Peut-être que dans les coffres, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose. On va aller voir au milieu également. Je vais faire un petit tour. Bon, là, il y a un gros. On va aller faire un petit tour, voir ce qui s'y cache. J'ai envie de faire un tour. Ah ouais, il y a quand même des coffres. Allez, on va quand même taper. On va aller voir ces coffres. Bon, a priori, j'ai pas l'impression qu'il y ait un truc fabuleux. Mais bon, au moins, vous le saurez, vous l'aurez vu. Alors, on va aller voir là-dedans. Et par contre, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une zone basique. Vraiment que c'est une zone basique pour l'instant. Ouais, là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais d'accord. On prend une petite bière quand même. Si on a soif. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Attendez. Ah, j'aurais bien aimé qu'il se fasse tuer. Bon, là, je pense que par contre, là, les gars, ça va être de la folie parce que... Alors, on va se préparer. Hop, je vais me préparer ça parce qu'ils vont tous venir vers moi. Non, mais là, là il m'a fait aggro. Il m'a fait aggro la totalité de la zone. Quelque part, au moins, ça sera fait. Allez. Je vais aller voir s'il est mort, là, sur un coin de map. Parce que ça m'intrigue. Bon, on va quand même continuer. Alors lui, il m'a fait aggro, mais alors toute la map, hein. C'est incroyable. Bon, alors, est-ce que ça vaut le coup de venir dans ces zones? Finalement, c'est un petit peu dommage qu'il nous ait fait juste une chaînerie classique. J'aurais bien aimé voir quand même quelque chose d'autre. Maintenant, je comprends pourquoi les youtubeurs ont pas... ont décidé de pas faire une vidéo sur cette zone. Bon, mais enfin, je trouve ça quand même un peu dommage et un peu intéressant aussi de faire une vidéo là-dessus parce que... vous savez ce que j'ai vu là? J'ai vu un truc qui m'intéresse. J'ai vu ça. J'ai une petite pousse. Je vais aller la prendre. Ce sera peut-être pas la vidéo la plus passionnante de l'année. Mais ça, hop, pour faire pousser ça dans ma base, ça va être bien sympa. Alors attendez, j'ai un... Bon, attendez, moi, je vais prendre quand même... Je vais prendre ça maintenant. C'est l'air d'être une zone quand même relativement, on va dire, safe. Allez, bim. Toi, tu prends ça. Bon, on va continuer. Hein. Je vais continuer mon petit farm.
Bon, on trouve des petits minerais quand même. Je pourrais taper les petits minerais. Bah, je vais en taper un pour le fun. Voilà, juste pour le fun. Voilà, c'est du fer, pour info. Là, je trouve rien d'extraordinaire. On va remonter. Hop, on va essayer de faire un tour. Lui, on va essayer de le taper comme ça, gentiment. Allez. Voilà. Il sert à rien de... Allez, encore un petit coffre. Encore un petit coffre. On va aller voir ce qui s'y trame. Bah, je continue de faire mon petit farm. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, tant que je suis là, hein, tant qu'à faire, autant se faire plaisir avec... avec du chêne. À ne pas confondre avec le frêne, bien sûr. Bon, un petit peu soif. S'il te plaît. Hop, je mange, je bois. Alors lui, toi aussi, tu vas prendre. Tu vas prendre cher, mon ami. Voilà, t'as pris cher. Et là, même punition. Allez, on y va, on continue. Bon, on va aller voir. Hein. On va inspecter tout ça. Je suis un petit peu... C'est un petit peu dommage qu'il y ait que ça. Allez, on va prendre ça. Bah écoutez, ouais, tant qu'à faire. Hein. Allez, on va manger ça. Allez, hop, c'est fait. Bon, il y a des renards. Il y a des petits renards. Je vais prendre ça. Je vais pas prendre la peau de renard. Je vais aller me faire tous les renards de la terre juste derrière. Mais là, pour l'instant, ben, on va continuer à miner. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette zone? C'est quand même surprenant quoi, qu'ils aient fait une zone toute simple. Je suis quand même désagréablement surpris. Voilà, on va dire ça. Un petit peu déçu pour l'instant de cette zone. Bon, qui va nous ramener quand même pas mal de matériaux hein, malgré tout. Bon, j'ai vu qu'il y avait des pichons pipi par terre. Donc, si vous voulez faire des recettes avec du poisson, ça peut être cool. Vous voyez, c'est ici là par exemple. Mon inventaire est plein. Super. Bah, attendez, attendez. Mon inventaire, il va pas être plein longtemps. Voilà, un champignon. Pas évident à trouver. Donc, les petits champipis. Comme dans la vraie vie, hein, il faut chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, encore un chêne. On va faire tout le tour, puis on va regarder combien on a obtenu finalement de morceaux de... deux chaînes. Ah, un copain. Voilà. Bon, ça c'est toujours cool pour le pass de saison. Ça fait des petits points en plus, mais c'est pas l'objectif. Moi, je vais certainement après retourner un petit peu dans les marais pour. Alors, bien entendu, je vais pas faire. Juste pour aller prendre un petit peu de maïs, un petit peu des petites choses, quoi. Un petit peu de frêne, des choses comme ça. Mais vu que je viens de faire une vidéo, je vais pas vouloir faire. J'attends vraiment la zone rouge. Je vous ferai la zone rouge dès que... Par contre, c'est du crasheur, hein. Bon, il... Ouais. Bon, c'est pas la folie, hein. Même les caisses, c'est vraiment... Bon, je voulais me faire... C'est vraiment pas la folie au niveau des caisses. On va pas se mentir. Il n'y a vraiment pas grand chose. Si ce n'est ça. Bah écoutez, une petite vidéo supplémentaire. Hein. Petite vidéo supplémentaire. Allez. Mais. Ah non. Enfin, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'arbres quand même. Faut. Voilà, on va pas. Ça fait toujours plaisir. Le chêne étant une matière qui est quand même assez intéressante pour plein de choses. Donc, bon, autant le prendre. Bon. On en aura fait quand même pas mal, je trouve.
Voilà, je pense qu'on a quasiment fait le tour. Alors attendez, je vais quand même aller checker juste 2 secondes, mais ah ben non, voilà, il y en a encore là, regardez. J'ai même pas réussi à les tuer, super. Non, s'il te plaît. Alors, toi, viens ici. Toi, viens ici. Un petit coffre. Voilà, je l'ai oublié celui-là. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Bon, eh ben voilà, j'avais un petit espoir, mais a priori, ben pas grand-chose en espoir. Hein. Voilà, je me rembourse un petit peu. Voilà, celui-là, il était trop près, je l'ai fait fuir. On va remonter gentiment, mais je pense que de toute façon, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a franchement plus grand-chose. Écoutez, je vais pas vous mentir. Bon, allez, c'est pas grave pour celui-là. Ah, il y en a ici. Je les avais oubliés ceux-là. Alors, il y a un gros là qui est là-bas, je vais aller me le faire. Bon, le côté marrant, c'était quand on s'est fait attaquer par tous les zombies du monde là, mais après, bon, maintenant, j'ai pas retrouvé le corps non plus. Je voulais aller voir ça, mais ça m'étonnerait. Hop, on va courir plus vite comme ça. Je pense que le corps du gars. Ouais, je pense que le corps du mec, je suis pas sûr. S'il a dû mourir, il a dû mourir par là. Je pense qu'il a réussi à s'échapper. C'est quoi ça? Ah bah non, il est là. Il est là, bah écoutez, j'ai gagné une masse assis. Pas grand chose d'autre. Écoutez, attendez, si, ce que je vais faire, je vais lui laisser ça. Et je vais quand même prendre une petite hachette. Voilà, je préfère. Allez, on va faire comme ça. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Ça nous a rapporté 20, 40. Alors, 20, 40, 60, 66 rondins de chêne. Un petit plan. Bon, ben, je pense pas que ce soit super, super. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller retrouver mon cher ATV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au moins vous saurez à quoi vous attendre sur cette zone. Voilà, zone de chaîne complètement basique, complètement classique, rien de spécial dedans. Et je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye.